des forêts tropicales. 80% des forêts tropicales et de la biodiversité. Voilà. Et trois quarts pratiquement des réserves de la des forêts dans le monde. Donc c'était un sommet important. On aurait souhaité que les trois bassins soient représentés. En fait, les trois bassins se sont réduits en un seul, le sommet et le bassin du Congo, parce qu'on n'a pas vu la présence des représentants du Brésil et de l'Amazone, et ni de ceux de l'Asie du Sud-Est. Avec l'absence du Brésil, justement, avec l'absence du Brésil, est-ce que les résolutions de ces sommets vont-elles peser? Bon, ça va dépendre. Je crois que je dois dire que c'est d'abord une faiblesse, parce que c'est quand vous êtes unis, vous avez ici affaire à trois bassins, à des populations qui sont appelées à protéger l'humanité, pendant que les autres polluent, pendant que le Nord pollue, nous sommes là pour protéger. Et nous ne sommes pas suffisamment payés. Lorsqu'on parle de la déforestation et d'autres questions, mais le plus grand responsable, je crois que notre gouvernement l'a dit à plusieurs reprises, le plus grand responsable de la pollution dans le monde, ce sont les pays les plus développés, ce sont les pays du Nord. Nous ne sommes pas des pollueurs, nous sommes des victimes. Et en principe, nous devrions être récompensés en conséquence, ce qui n'est pas le cas. Alors, on se serait attendu à ce que les représentants de trois bassins se mettent ensemble, parce que l'Union fait la force. Parce que l'Union fait la force. Vous ne pouvez pas peser, on ne peut pas peser suffisamment si on n'est pas unis. Bientôt, on va parler de COP28 qui va se tenir à Dubaï, je crois. Mais si on n'est pas unis, ça pose un problème. Et même alors, je crois, je devine tout simplement que ceux qui représentent l'Amazone, ils tirent même un plus grand profit que nous. Donc la clé, peut-être qu'ils ont brillé par leur absence probablement. Parce qu'ils savent qu'ils tirent déjà, vous voyez, ce qu'on paye au Brésil, ce qu'on paye aux pays de l'Amérique latine qui protègent l'environnement et l'écosystème est de loin supérieur que les miettes que mais, nous envoient. Mais la RDC, c'est ce qui est étonnant, la RDC constitue le deuxième massif forestier au monde, n'est-ce pas? Deuxième massif après justement l'Amazonie, mais en termes de dividendes, la RDC ne gagne presque rien. Non, on ne gagne pas assez. Ce sommet-là, il aurait même pu se tenir à Kinshasa, par exemple. Mais là n'est pas le problème. Mais nous ne gagnons pas suffisamment. Nous protégeons l'environnement pour eux. Nous sommes là pour protéger l'environnement qu'ils polluent. Et ils nous payent pratiquement en monnaie de singe. On ne gagne pas assez. On ne gagne pas comme ceux qui protègent l'Amazone. On ne gagne pas comme ceux qui protègent le bassin de Bornéo-Mekong en Asie du Sud-Est. Donc c'est ça un peu le problème. Mais dans tous les cas, un sommet, c'est toujours une bonne occasion, c'est un chapelet d'intentions, il y a eu des déclarations. On espère qu'on ira plus loin, mais ça va demander un combat. C'est un combat qui doit rester permanent. Je crois que la voix de l'Afrique va se faire entendre davantage lors de la COP28 pour que nous puissions en fait bénéficier de ce statut-là de protecteur de l'humanité ou de l'environnement. Professeur Alain Mbada, je reviens à vous, peut-être que pour mettre un peu du bémol dans ceux-là qui nous suivent, il y a eu 145 délégations officielles, ici Cachalapé nous remet ces images, 145 délégations officielles, 18 organisations internationales, 427 ONG, 123 représentants de la communauté scientifique, la liste n'est pas exhaustive, et 14 chefs d'État et de gouvernement étaient attendus à ces sommets, parmi lesquels le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est fait accompagner de la très distinguée première dame, Denise Nyakiero Tshisekedi. Il s'est fait accompagner à ses assises par son épouse. Nous allons vous laisser suivre ce reportage sur l'arrivée du président de la République à Kintele, à Brazzaville. La République démocratique. C'est dans la banlieue de Brazzaville, au berge du fleuve Congo, que le sommet des trois bassins forestiers du monde a été organisé. L'hôte du sommet et président de la commission climat du bassin du Congo attendait une vingtaine de ses homologues du bassin de l'Amazonie et du Bornéo-Mekong. Finalement, seuls ses pairs africains ont répondu à son invitation. Arrivé en début de matinée à Brazzaville par l'aéroport de Mayamaya, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la distinguée première dame ont pris la direction de Kintele pour ses travaux. La cérémonie d'ouverture a été marquée par une série de prises de parole des chefs d'État et autres dirigeants.
Chacun dans ses termes a démontré que les trois massifs forestiers constituent les poumons de la planète Terre face à l'urgence du réchauffement climatique. Très attendu à la tribune, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé que dans cette lutte commune, la République démocratique du Congo joue un rôle particulier au regard de la richesse de sa biodiversité. La République démocratique du Congo plaide pour la diversification des sources de financement climatique, entre autres le développement d'un marché de carbone juste et équitable, comme mécanisme de gestion durable aussi bien dans les trois bassins forestiers tropicaux que des autres massifs forestiers du monde. En effet, ce rôle stratégique que joue la République démocratique du Congo dans la lutte contre les changements climatiques n'est plus à démontrer. Avec plus de 62% des forêts du bassin du Congo et environ 70% de ses tourbières, plus de 52% des réserves d'eau douce de l'Afrique, sa méga biodiversité classée 5e au rang mondial, mon pays, qui a pris toute la mesure de sa responsabilité naturelle et historique, entend assumer son leadership environnemental et climatique naturel ensemble avec ses pairs de tous les bassins. Aussi, la République démocratique du Congo ambitionne de jouer un rôle majeur dans la transition écologique mondiale, car disposant des minerais et ressources énergétiques indispensables pour ce faire. De manière non exhaustive, je cite par exemple le cobalt avec plus de 70% des réserves mondiales, le coltan, le lithium, ainsi qu'un énorme potentiel en énergie propre et renouvelable. Au moment où le monde entier s'active pour sauver la biodiversité, le Rwanda, lui, les détruit par son activisme armé. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des mots justes pour le dénoncer. Ça, c'est un extrait de l'allocution du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'ouverture de ces sommets des trois bassins, vous les avez cités ici, l'Amazonie, Bornéo-Mékong et les bassins du Congo. Professeur André Mbata, vous avez suivi juste cet extrait du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de sa prise de parole, il a parlé de 62% des forêts du bassin du Congo, n'est-ce pas, qui sont en RDC, n'est-ce pas, 90% des tourbières, c'est en République démocratique du Congo, et 70% des réserves mondiales du cobalt et des minéraux stratégiques. Mais les grands pollueurs, les États-Unis, la France, la Chine, la liste n'est pas exhaustive, n'ont toujours pas honoré ou n'honorent pas leurs engagements. Que faire, professeur? Bon, je crois qu'il faut d'abord dire une chose, c'est que ce sommet ne pouvait pas avoir lieu sans le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sans la RDC, comme il a dit, c'est 62%. Quand on parle du sommet, par exemple, du bassin de l'Amazone, c'est d'abord le Brésil. Le bassin du Congo, c'est d'abord la République démocratique du Congo avec ses 62%. Donc, il a dit, il a exprimé également les ambitions de notre pays, c'est-à-dire, nous devons assurer le leadership dans le domaine de l'écologie. Nous sommes l'un des poumons de l'humanité. Il a dit, notre pays ambitionne de jouer les plus grands rôles. Et il a raison. Aussi, lorsqu'il évoque ces minéraux stratégiques, qu'on retrouve en grande quantité dans notre pays. Donc il a tout à fait raison de dire ce qu'il a pu dire. Et c'est un président congolais qui a aussi magnifié les richesses de son pays. Mais comme vous l'avez souligné, nous sommes payés à monnaie de singe, nous qui protégeons l'humanité. Nous protégeons l'humanité pour que les autres viennent polluer. Et je crois que nous devons continuer à lutter pour qu'on nous reconnaisse et que nous soyons payés en conséquence. Prenez par exemple le cas des forêts. Mais la forêt, nous avons des populations qui vivent dès la forêt et dans la forêt. Et on nous empêche lorsqu'il faut réduire, par exemple, la déforestation. Quand il faut couper les arbres, on dit non, il faut arrêter, monsieur, mais il n'y a pas de contrepartie. Il n'y a pas de contrepartie. Il n'y a pas de contrepartie. Et ils peuvent continuer à polluer comme ils veulent. Et quand on demande d'être compensé, d'avoir des compensations, on n'arrive pas à avoir gain de cause. C'est là que l'Afrique, c'est là que les bassins du Congo doivent s'unir. Parler d'une seule voix, si on doit bénéficier effectivement de cette manne qui est effectivement aussi le... La forêt, c'est une manne finalement, parce que ces réserves forestières nous permettent
de protéger l'environnement et, comme le président l'a dit, de protéger la planète. Nous sommes les protecteurs de la planète. La planète que les autres pillent, la planète que les autres brûlent, nous sommes, au cœur du continent africain, les protecteurs de la planète et nous méritons d'être payés en conséquence. Professeur Mbata, je voulais qu'on réfléchisse à haute voix ensemble. Est-ce que vous estimez que les résolutions issues du sommet de Kintele vont changer quelque chose sur le terrain ou pousser les grands pollueurs, les pays les plus industrialisés du monde, qui sollicitent justement, notamment la RDC, de préserver ces forêts pour maintenir les équilibres de l'écosystème? Et vous pensez que les résolutions issues de ces sommets vont permettre, vont pousser à ces grands pollueurs d'échanger les fusils d'épaule? Pour moi, ce n'est pas suffisant. Vous avez parlé de 45 délégations, mais qui était là? Les ONG internationales, 427, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que les principaux pollueurs étaient là? Ils n'étaient pas là, ils vous observent. Non, ce n'est pas suffisant. Je vous ai dit d'ailleurs que le sommet, ce sommet de Kintele intervient 12 ans après celui qui s'était tenu à Brazzaville. Vous ne voyez pas ici les grands pollueurs de l'humanité prendre des engagements? Vous aurez voulu voir par exemple les États-Unis, la France, absolument, les pays représentés au plus haut... Oui, au plus haut niveau. Quand il y a des chefs d'État, on aurait pu assister également à ce que le monde des pollueurs, cette association des pollueurs, soit également représentée au sommet. On ne les a pas vus. Et c'est un sabotage? Bon, c'est... Je crois que c'est parce qu'ils ne prennent pas non plus au sérieux. Et je crois qu'on va revenir au discours du président Félix Tshisekedi tout à l'heure. C'est beaucoup d'hypocrisie ici. On a que faire des déclarations. Et c'est pourquoi le discours du président Tshisekedi, lorsqu'il s'écarte du papier, c'est tout à fait autre chose. C'est la même rhétorique. Puisque vous en parlez. C'est remercier, c'est l'hypocrisie. Mais c'est la même chose. Donc il faut continuer la lutte. Et cette lutte-là doit être menée par nous-mêmes. Professeur Mbata, je vous interromps pas. D'imposer nos conditions. Je voudrais alors, puisque vous en parlez, nous allons proposer un extrait, n'est-ce pas, de la locution du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de ces sommets. Et puis on revient après. Vous êtes président de la République démocratique du Congo, l'un des co-organisateurs de ce sommet. Très respectueusement, qu'il vous plaise de prendre la parole maintenant pour votre allocution. Excellences, mesdames et messieurs, ce sommet vient à point nommé en ce qu'il nous permet de réfléchir à quelques semaines de la tenue de la 28e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, prévue très bientôt aux Émirats Unis, de réfléchir sur des perspectives concrètes en vue de l'application effective de l'accord de Paris sur le climat, mais avant tout d'entrevoir la possibilité d'adoption d'une stratégie commune visant à ressortir le rôle central joué par nos États dans la lutte contre les changements climatiques. Je suis un panafricaniste convaincu. Lorsque je suis devenu président de la République, il y a presque 5 ans maintenant, la première destination à laquelle j'ai réservé mes déplacements, c'était l'Afrique. J'ai commencé par le Kenya à l'époque du prédécesseur du président Ruto, puis je suis passé par l'Angola et je suis arrivé en République du Congo chez notre aîné, puis j'ai fait le Rwanda et l'Ouganda et depuis lors... Depuis lors, j'ai parcouru et visité tous les 9 pays voisins de la République démocratique du Congo. Mais, car il y a un mais, et là je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Ruto, pour dire... Malheureusement, nous sommes loin de la réalité.
Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, ben, il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt, en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Ça a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qui est entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Le jour où nous mettrons fin à ce à quoi nous assistons aujourd'hui, à l'est de la République démocratique du Congo, par exemple, des voisins qui viennent semer la pagaille, la mort, la désolation, uniquement dans le but de s'enrichir, de piller les ressources. Le jour où nous mettrons fin à ce genre de comportement, alors oui, là nous aurons compris. Parce que je suis désolé, en tant que président de la République démocratique du Congo et face à ce genre de choses, je ne suis pas tenté de construire des ponts, mais plutôt des murs pour sécuriser ma population. Retour sur ce plateau, professeur Mbata. Vous êtes professeur de droit parmi les rares constitutionnalistes dont la RDC dispose. Vous êtes premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vous avez plusieurs casquettes au sein de l'Union sacrée pour la nation. Vous êtes un haut cadre. Je suis secrétaire permanent de l'Union sacrée. Voilà, secrétaire permanent de l'Union sacrée. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous ai suivi dans les journaux télévisés. Vous êtes peaufiné des stratégies pour les prochaines élections. Mais revenons justement sur les discours, les grands orales du président de la République. Nous venons de suivre un extrait. Votre commentaire à chaud, parce qu'à un moment donné, quand le président se détache de son texte, n'est-ce pas, il devient encore de plus en plus, entre guillemets, piquant. Bon, mais c'était un grand oral, c'est... Mais en fait, combien de gens peuvent se détacher de leur texte comme l'a fait Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo? C'est parce qu'il a les provisions. Ça veut dire quoi, ça? Il a les provisions, vous l'avez vu, quand il se détache du texte. Et en fait, c'est l'essentiel de son discours. Ça ne prend pas plus de 6 minutes. Et vous comprendrez aussi pourquoi, il y a quelques semaines, l'université de Kinshasa l'a reconnu comme docteur honoris causa. Vous pouvez le sentir à partir de ce discours. Regardez le niveau. C'est un titre honorifique qu'on décerne à des éminentes personnalités. Pas à tout le monde, pas qu'on décerne pas tout le monde. À d'éminentes personnalités pour leur réalisation. Bon, voilà. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Il y a combien de Congolais qui... Il y a un grand débat autour de ça, disant qu'on pouvait lui décerner, pas en tant que chef de l'État, non, mais tout en étant en fonction. Ce sont des gens qui ne sont pas habitués aux universités. Parce que pour comprendre comment ça s'est fait, il faut être universitaire soi-même et universitaire au plus haut point. Parce que ceux qui commentent souvent, ils ne sont pas des universitaires. Ils ne peuvent pas arriver à ce niveau-là. Quand on ne connaît pas les choses, on dit n'importe quoi. Bon, voilà ce morceau de discours. Revenons, c'est très important. Ce petit discours-là de 6 minutes, Félix Tshisekedi Tshilombo, quand ces discours ne durent pas très longtemps. Mais la totalité, dans 6 minutes, je vais arriver. 21 minutes, la totalité de son discours. C'est ça l'essentiel. Ça, c'est juste un extrait de 6 minutes. C'est 6 minutes. 6 minutes, il y a quelques années,
il avait mis fin à la coalition FCC-CACH. Un discours de 6 minutes chez Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Là, vous faites les calculs. Avait donné naissance à l'Union sacrée de la nation qui a tout bouleversé. Ce n'était que 6 minutes. Ces 6 minutes qu'on vient de balancer, elles méritent d'être étudiées. Dans ce qu'il dit là, quand il se détache. Et ici, vous voyez, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, en fait, il synthétise les grandes qualités de tous les chefs d'État qu'on a connus, les grands chefs d'État qu'on a connus. Vous retrouvez un Lumumba là-bas lorsqu'il parle, il est panafricaniste, pas parce qu'il est chef d'un État africain. Il aime l'Afrique, il vient de l'Afrique et il défend les intérêts de l'Afrique, pas les intérêts de l'étranger. Lui, ce n'est pas, comparativement à d'autres chefs ou même de politiques congolais, les autres sont des pantins de l'étranger. Ça veut dire quoi, des marionnettes de l'étranger. Ils travaillent à la solde de l'étranger. Des turiféraires de l'étranger. Oh. Donc, pour envoyer le message de l'étranger. Lui, c'était un panafricaniste. Et il est dit, là, vous retrouvez Lumumba. C'est Lumumba qui renaît. Et ce nationalisme-là, vous reprenez, vous revoyez Lumumba, vous revenez même Mobutu, vous revoyez Mobutu dans ses grands jours, à l'Assemblée générale des Nations Unies en 1973. Regardant le monde entier, il dit... Et l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre. Il met fin aux relations diplomatiques avec Israël en regardant les Américains et les Israéliens dans les yeux. C'était Mobutu qui régnait. À travers ses discours. À travers ses discours. Donc il synthétise en fait les grandes qualités des grands hommes d'État qu'on a reconnus. Et lorsqu'on parle du Congo, cette détermination-là, on sent aussi même Moïse Kabila. Mais effectivement, Moïse Kabila savait le dire dans l'espace national. Mais lui sait le dire à l'étranger. Il sait le dire aux Nations Unies. Il sait le dire à Brazzaville. Et il n'a pas honte. Il sait ce qu'il gagne. C'est sans gants. C'est sans gants. Mais combien de leaders politiques congolais vont avoir ce courage-là pour citer Kigali, pour défendre leur peuple? Mais justement, une certaine opinion estime que... Non, mais faites le tour. Dites-moi, combien de leaders congolais vont citer Kigali? Combien de leaders congolais vont parler avec... Le professeur Mbata, finalement, l'ordre du pouvoir de Kigali, de Kagame, plane partout. Il soutient le mouvement terroriste. Mais c'est connu de tout le monde. Mais non, c'est dans la forêt, le parc de Virunga, en train de détruire l'écosystème. Mais il détruit tout. C'est connu de tous, je crois que le rapport des experts des Nations Unies l'a démontré. C'est un État voyou, c'est un régime voyou qui... Et les termes que vous utilisez en anglais, Rockstate. Non, ce sont des termes reconnus. Les Américains, oui, Rockstate. Un État qui viole les règles élémentaires du droit international, même en ce qui concerne le droit de l'environnement, qui pille, qui tue, qui détruit tout. C'est un État voyou qui n'a pas de place. Qui n'est pas sanctionné. Qui n'est pas sanctionné à cause de l'hypocrisie. Et quand le président Félix Tshisekedi parle, mais devant lui, mais c'est un parterre d'hypocrite. Et lui, effectivement aussi dans la diplomatie, il y a quelque chose que Félix Antoine Tshisekedi veut introduire. On le saura peut-être après quelques années. Ce discours-là, parler comme cela, devant ceux qui soutiennent Kigali et Kagame, devant ses complices, il faut être Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le faire. Donc ceux qui soutiennent Kigali, il faut avoir ce courage-là. L'on suivait à la télévision des parts. À travers le monde. Mais ils l'ont suivi. Et ils étaient même là, ils ont applaudi dans leur hypocrisie. Ah, d'autres étaient là sur place. Oui, ils étaient là. Vous allez me dire quoi? Vous les avez vus à la télévision. Mais ils sont là, ils étaient là, je le connais, je ne veux pas citer le nom. Il y a des chefs d'État qui les soutiennent, des chefs de gouvernement, des gouvernements entiers qui défendent le régime voyou, l'État voyou du Rwanda. Donc les problèmes, comme l'a dit le chef de l'État... Il n'est pas chez lui pour avoir ce courage-là. Parce que vous saurez... Nous n'allons pas parler d'élections. Vous aurez des gens ici. Qui a le courage pour parler du Congo? Seulement pour être chef d'État, je voudrais devenir président de la République? Non. Vous n'avez pas le courage. Vous n'avez même pas le courage de défendre votre peuple. Lui seul peut le faire. Lui seul peut tenir ce discours-là. Il n'y en a pas deux ici dans ce pays. Et lui, parce qu'il n'a pas, justement, il n'a pas peur de l'étranger. Il dit l'histoire, c'est un Lumumba encore lorsque... On revoit la lettre de Lumumba à sa femme Pauline. Donc, si je comprends très bien. L'histoire des choses qui se décident, mais il était encore modéré. Ce n'est pas se décider à Kigali en complicité avec ceux dont vous avez vu les visages ou les représentants. Professeur André Mbata, vous êtes dans les arcanes du pouvoir.
J'ai une petite question à vous poser parce que... Allez-y. Le président de la République allait suivre. Quand il se détache de son texte, ça veut dire qu'il exprime des idées qu'il avait en tête. Moi, je m'imagine, est-ce que ce qu'il a dit, quand il a dénoncé justement l'activisme armé du Rwanda en RDC, notamment dans les parcs de Virunga, est-ce que c'était préparé ou bien c'est lui venu sur le champ? Mais je vous ai dit qu'il a les provisions dans sa tête. Je vous l'ai dit. Ce n'est pas n'importe qui va improviser. Parce que pour improviser, il faut avoir la provision dans la tête. Et ça, c'est du Lumumba. Ça, c'est du Lumumba. Ça, c'est du Tshisekedi. Pour improviser, il faut avoir la provision dans sa tête. Et il en a assez fait. Et à des termes très cohérents. Et très cohérents, logiques, rationnels. Et vous avez suivi le tonnerre d'applaudissements. Et pas seulement ici, moi j'ai suivi des collègues. Des collègues de Guinée, des collègues de Burkina Faso, des collègues de Niamey, qui ont suivi ce discours, qui apprécient notre président. Parce que combien de chefs d'État africains peuvent tenir ce discours? Et ce qui l'intéresse, lui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il dit qu'il aurait bien voulu construire des ponts au lieu de construire des murs pour protéger son peuple. C'est ça le problème aussi. Les ressources immenses dont nous regorgeons, parfois les compatriotes se plaignent. Le social, on ne construit pas les infrastructures. Mais ils ne comprennent pas que les richesses dont nous disposons, elles sont utilisées par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement pour défendre notre peuple. Parce que imaginez un peu, vous avez le social, nous devons améliorer les conditions de vie, et en même temps, un pays étranger, le Rwanda, qui veut accaparer vos terres. Nous devons utiliser suffisamment de ressources, ça fait mal. Des ressources que nous devions pour l'enseignement, nous pouvons même instaurer une bourse gratuite. Ces ressources-là, augmenter les salaires, améliorer les conditions de vie. Les ressources sont en partie destinées à l'effort de guerre parce que nous devons défendre la population, nous devons défendre notre peuple, le peuple auquel nous appartenons. Professeur André Mbata, puisque vous parlez de la situation sécuritaire dans la partie Est, aujourd'hui il y a un mouvement des patriotes, communément appelé Wazalendo, qui met quand même en mal les terroristes du M23. Est-ce que vous, votre commentaire, vous appuyez ce mouvement? Mais ce sont des nationalistes, les Wazalendo. Ben, vous savez, l'article 52 de notre constitution dit que tout Congolais a le devoir sacré. Tout Congolais a droit à la paix et à la sécurité, tant sur le plan national qu'international. Les Wazalendo veulent assumer leur droit, exercer leur droit à la paix et à la sécurité. Et vous voyez également dans les devoirs, tout Congolais a le devoir sacré de défendre l'intégrité de son territoire national face à l'agression. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est un devoir sacré. Et sacré, donc les Wazalendo sont dans une union sacrée. Dans une union sacrée pour défendre la nation, pour défendre l'intégrité du territoire national. Et vous comprenez tout naturellement qu'ils ne peuvent que recevoir le soutien de notre population. Je serai à leur place et je le ferai. C'est un devoir sacré. Un devoir sacré, on ne transige pas. Et heureusement qu'à la tête de l'État, ils peuvent, il y a cette communication-là, entre des Congolais qui se prennent en charge, prenez-vous en charge. Ça, c'est un autre skill qui est cher à Laurent Désiré Kabila, mais qu'on retrouve. Mais en fait, chez Tshisekedi, en fait, c'est vous avez le Lumumba là-bas, c'est un mélange de tout, dans leur meilleure qualité. Lumumba dans ses meilleures qualités. Mobutu dans ses meilleures qualités. Donc il puise partout, mais ce qui est bon. C'est une synthèse. Il fait la synthèse, c'est pourquoi on l'a souvent dit. Ce n'est pas parce qu'on est avec lui. C'est une bénédiction pour ce pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous n'allez pas trouver quelqu'un d'autre avec ses talents. En tout cas, pas pour le moment. Pas pour le moment. Donc les Wazalendo ont le soutien de notre population. Nos forces armées et de sécurité ont également notre soutien total. Mais une certaine opinion s'interroge mettre fin à cette agression. Parce que les Wazalendo, quand ils récupèrent un territoire de Medium 23, et derrière eux, c'est les FARDC qui viennent s'installer, c'est la police, c'est la population qui est encadrée. Quelle est la contrepartie? Parce que souvent, ce sont des compatriotes, vous l'avez dit, des patriotes en même temps, qui sont en train de défendre leur pays. Et vous avez même énoncé un article de la Constitution. Et s'il y a une contrepartie, dans les jours à venir, ils ne vont pas réclamer aussi des postes? Non. Très souvent, on parle de contrepartie. Lorsque vous exercez votre... C'est un devoir sacré. Est-ce que vous avez besoin d'une contrepartie pour défendre votre territoire national? Est-ce que vous avez besoin d'une contrepartie
pour défendre votre nation en péril, et la nation est en péril, vous avez besoin d'une contrepartie? Non. C'est un devoir sacré. Les Oisaliens, ils n'ont pas demandé de contrepartie. Ils s'engagent, ils se sont engagés pour défendre leur pays. Et ils vont aller plus loin avec nous. Et nous, moi comme compatriote, moi comme Congolais, effectivement, je les soutiens. Et ils peuvent bénéficier, je crois, au niveau de l'Union sacrée. Nous les soutenons, les Oisaliens, et tous les Congolais, nous avons tous les devoirs. Pas seulement les Oisaliens là où ils sont, mais partout où se trouve chaque Congolais, qu'il soit au nord, qu'il soit au sud, qu'il soit dans le Bas-Congo, qu'il soit dans la province de l'Équateur, qu'il soit au nord, dans la province orientale, Haut-Tuélé, Bas-Tuélé, qu'il soit dans le Katanga, chaque Congolais doit sentir ce devoir sacré de défendre son pays lorsqu'il est menacé et de protéger, de défendre l'intégrité du territoire national. Et c'est ça, cela que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, nous a appelé à plusieurs reprises. Mais ce discours-là de 6 minutes... mérite qu'on s'attarde davantage. Justement, puisque vous parlez de ces discours de 6 minutes, nous voulons changer de sujet, mais restons un tout petit peu à Kintele, n'est-ce pas, pour parler justement de ces assises qui ont commencé le jeudi. Le président de la République est arrivé samedi à l'ouverture de ces sommets de chefs d'État et de gouvernement. Je voudrais, peut-être pour terminer cette partie, quels sont les enseignements que nous pouvons tirer de ces sommets des trois bassins? Bon, les enseignements, je crois, vous l'avez dit, il y a eu une déclaration, il y a eu des engagements qui ont été pris pour travailler, marcher ensemble, pour le président Félix Tshisekedi lui-même l'a dit en conclusion. J'espère que le sommet de Kintele constitue un nouveau départ, un nouvel engagement pour que nous puissions davantage et mieux protéger la planète. Mais effectivement, je l'ai dit également, la protection de la planète ne dépend pas que de nous. Nous sommes là les premiers protecteurs de la planète, mais ceux qui détruisent la planète ne sont pas en Afrique. Ils sont ailleurs, ils sont en Occident, et en Afrique, ils sont également. Ils agissent par des marionnettes, par des Kagame, ce sont des marionnettes de l'impérialisme. Et à Kigali, quand on fait à Kigali, c'est en connivence avec d'autres. Donc, ils agissent directement ou à travers des mains noires, comme celle de... Et c'est ce qu'elle a décrié, justement. C'est ce qu'il a décrié également. Et je crois qu'il a stigmatisé aussi l'indifférence de la communauté internationale. L'hypocrisie, on dirait mieux, la schizophrénie. La schizophrénie, on va vous dire tout va bien alors que tout va mal. On voit la situation venir et personne ne condamne. Elle sera prise en compte par les chefs d'État africains. Elle sera prise en compte. Elle est déjà prise en compte parce que lorsque le président a parlé, s'agissant de l'agression rwandaise, lorsqu'il a parlé à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, je crois à la même époque, les États-Unis ont sanctionné le Rwanda. Ils ont réduit leur aide militaire. Et je crois qu'il était même le président de la République a reçu l'ambassadeur du Royaume de Belgique qui a parlé des sanctions qui doivent être prises contre ce régime voyou de Kigali. Et donc, je crois que beaucoup de choses ont changé. C'est Kigali, ce régime des prédateurs, des pilleurs, des maraudeurs, ce régime... Et nous apprenons que les RDF, les pouvoirs de Kigali, renforcent ses positions en RDC. On a eu des colonnes, même le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, lors du récent briefing, il nous a montré des images satellites, n'est-ce pas, des colonnes de forces armées rwandaises en train de traverser la frontière et de venir en appui en 23. Mais c'est un combat perdu à l'avance. Kagame peut tout faire, c'est un combat perdu à l'avance. Qu'est-ce que peuvent 12 millions de Rwandais face à plus de 100 millions de Congolais? Déjà, ceux qui sont en formation en police, 40 000 personnes, c'est déjà plus que l'armée rwandaise? Non. Et je crois que le régime de Kigali doit comprendre. Dites seulement à la population de Goma de faire une promenade à Gisenyi. Mais ils vont arriver au Rwanda et Rwanda sera détruit. Non, nous ne voulons pas. Nous ne sommes pas un pays pacifique. Non, nous ne pouvons pas en arriver là. Parce que nous sommes africanistes. Nous sommes africanistes. Nous devons exercer le leadership de ce continent. Nous n'allons pas. Vous savez, quand il y a un fou, vous n'allez pas suivre le même exemple, vous comportez comme un fou. Un fou, on le traite différemment. Donc nous n'allons pas à la guerre, nous ne sommes pas, nous sommes pour la paix. Et la paix fait partie de notre devise. La paix sur le continent et ce pays a une vocation africaine. La paix est très importante pour nous et c'est d'ailleurs, on l'a évoqué lors de la 147e Assemblée
général de l'Union interparlementaire à Luanda. À Luanda, là, on parlait de l'action des parlementaires pour la paix, la justice et les institutions fortes. La paix, nous avons besoin de la paix pour aider à reconstruire et ce continent africain. Puisque nous parlons de la 147e session de l'Assemblée générale de l'Union parlementaire qui a eu lieu, dont les travaux ont été organisés à Luanda, en Angola, je vous convie à suivre ce reportage de Robert Ndaye qui était dans la suite du premier vice-président de l'Assemblée nationale. En marge de la 147e Assemblée de l'Union interparlementaire, les pays membres de l'Internationale socialiste se sont réunis à Luanda pour faire le point sur les différents conflits dans le monde et particulièrement dans la bande de Gaza. La République démocratique du Congo était représentée à cette importante réunion par le président du Sénat et autorité morale de l'AFDC, Modeste Bahati Lukwebo, et le premier vice-président de l'Assemblée nationale au cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir et secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbatabe Tokoumé Soumangou. Les participants ont salué la contribution, l'enthousiasme et l'appui du MPLA dans le cadre des travaux de l'international socialiste au niveau régional et mondial en faveur de la paix, de la démocratie et des droits de l'homme. Le président du Sénat, honorable Modeste Bahati Lukwebo, a dans son intervention informé les partis membres de l'international socialiste des avancées significatives enregistré en République démocratique du Congo depuis l'avènement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la magistrature suprême. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbatabe Tokoumessou, avec son verbe oratoire, se félicite des conditions requises sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour conduire le peuple congolais au quatrième cycle électoral. Les questions de justice, de paix et de démocratie, la démocratie qui est à la base des institutions fortes, ce sont des questions qui préoccupent au plus haut point son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, et mon propre parti, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il a sollicité l'accompagnement des partis membres de l'international socialiste à soutenir les efforts de la République démocratique du Congo pour le retour de la paix à l'est de son pays. La paix est menacée. Nous avons demandé une fois de plus que l'international socialiste demande, agisse, que tous les pays qui en sont membres exigent le retrait du Rwanda, des troupes rwandaises, de la RDC et la fin de leur soutien au M23. Les partis membres ont fait part de leur profond remerciement pour la fraternité et l'hospitalité témoignée à toutes les délégations présentes à Luanda à cette 147e Assemblée de l'Union interparlementaire. 147e Assemblée générale de l'Union interparlementaire. Professeur Mbata, vous avez assisté à ce que vous avez appelé vous-même l'intersocialiste, c'est ça? Et dans quel cas, toujours en tant que vice-président de l'Assemblée nationale ou bien cadre de l'UDPS? Bon, vice-président de l'Assemblée nationale, il faut dire qu'à Luanda, se tenait également en marge de la 147e Assemblée générale de l'Union interparlementaire, cette réunion de l'international socialiste. L'international socialiste regroupe tous les pays socialistes ou progressistes dans le monde. Et moi, j'étais là comme premier président de l'Assemblée nationale, mais surtout membre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nous étions avec le président Modeste Bahati, parce que l'AFDC est également membre de l'international socialiste. J'étais là, je devais prendre la parole. Et là, vous avez passé le message de la RDC. J'ai passé le message parce que mon parti, l'UDPS, l'UDPS occupe la vice-présidence de l'international socialiste. Ah, oh, ok. Donc, à travers le secrétaire général Augustin Kabuya, nous avons donc la présidence de l'international socialiste. Augustin Kabuya est maintenant, en ce moment même en réunion et au Maroc, dans le cadre de l'international socialiste. Et la présidence est assurée par une femme. La présidence est assurée par une femme et par l'Espagne. Donc, nous avons exprimé le fait que, s'agissant de la paix, et c'est là que le lien que le président de la République a fait, la protection de l'environnement et la paix, ça marche de pair. Ça va de pair, et c'est le même message à l'Angola. Donc ici, on a insisté sur le fait que l'international socialiste, les parlementaires doivent jouer un rôle dans la promotion de la paix et de la justice et des institutions fortes. Et comme je l'ai dit, les institutions fortes supposent les élections. Les élections qui seront bientôt organisées dans le pays. Les institutions fortes qui ne sont pas à comparer avec un pouvoir fort. Non, le pouvoir fort comme celui de Kagame, c'est un peu de la chimère. Donc les institutions fortes supposent des élections libres et transparentes et crédibles
comme celles qui vont être organisées dans notre pays le 20 décembre 2023. Et ici, vous avez vu à Kintele, s'agissant de l'Afrique centrale, Félix Tshisekedi Tshilombo est pratiquement le seul président de l'Afrique centrale qui a accédé au pouvoir après avoir mis fin à un régime autoritaire. Par des élections libres et transparentes. Parce que vous voyez, vous connaissez bien l'Afrique. Il y a des régimes qui sont là depuis des années, des chefs d'État qui croient qu'ils doivent mourir au pouvoir, des trentaines d'années, ils sont là. Mais nous, nous sommes un pays démocratique. Et s'agissant des institutions fortes, c'est lui qui parlait de l'environnement, c'est lui qui parlait à Kintele au nom du peuple congolais, le président Félix Tshisekedi Tshilombo devait être entendu et très sérieusement entendu dans ce qu'il disait parce qu'il représente un, il vient d'un pays démocratique et aussi à Luanda, nous avons évoqué cette question des institutions fortes et qui existent, qui doivent exister dans notre pays. Professeur André Mbata, peut-être pour la lanterne de ceux-là qui nous suivent, quelle différence se voit entre institutions fortes et un pouvoir fort? Bon, en deux mots, je sais que vous êtes professeur. Bon, ce sont des nuances. Vous allez m'amener très loin. Les institutions constituent un pouvoir. Le pouvoir a des institutions. Les différentes institutions, par exemple, vous avez l'institution, par exemple, le Parlement est une institution, le gouvernement, c'est une institution, le pouvoir judiciaire, c'est une institution, mais tout ça, ça fait un pouvoir. Ça fait un pouvoir. Donc, les institutions fortes, ici, j'évoquais les institutions électives, comme au niveau du Parlement, le président de la République, c'est une institution. Mais l'ensemble, vous pouvez considérer ça comme étant un pouvoir. Une institution forte? Des institutions fortes pour nous, ce ne sont pas celles qui sont mises sur pied à bout des canons, par coup d'État, comme vous avez vu au Rwanda ou dans d'autres pays. Mais les institutions fortes, ce sont des institutions légitimes. Et qui jouent un rôle majeur dans le développement. Et les institutions légitimes vont jouer un rôle majeur dans le développement. Parce que quand on anime des institutions légitimes, on est au service du peuple. On est redevable. Alors que le pouvoir autoritaire, lui, n'est pas redevable. Et c'est ce qu'on voit au Rwanda et dans d'autres pays. Donc le pouvoir pour le pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, le pouvoir pour piller, le pouvoir pour s'enrichir. Mais nous, c'est le peuple et le peuple d'abord. Et c'est l'individu. Je crois peut-être un dernier mot sur le discours de Kintele. Allez-y, allez-y. Vous voyez comment le Félix Antoine Tshisekedi fait primer l'homme sur l'écosystème. C'est-à-dire, alors qu'on parle seulement de l'écosystème des forêts, et on ne parle pas assez de l'homme. Ici, on parle de l'homme comme dans un rôle passif. On ne doit mettre pas de déforestation. L'homme ne doit pas brûler les forêts, ainsi de suite. On néglige l'homme. Mais lui met l'accent sur l'individu. Parce que la première richesse... C'est ça le peuple d'abord. La première richesse, c'est l'homme. Voilà. C'est ça le peuple d'abord. Et il met l'homme. Et là, ça rejoint un peu, vous voyez, beaucoup dans les médias. On a souvent présenté la RDC comme un pays très riche en ressources naturelles. Comme s'il n'y avait pas d'hommes. Comme si c'était les ressources naturelles qui comptaient plus pour l'Occident. Mais Félix Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, fait une part belle. Pour lui, la primauté, c'est l'homme. La première richesse que nous avons dans ce monde et dans ce pays, c'est l'homme. C'est l'homme congolais. Donc, il met l'homme au centre et l'homme au centre des préoccupations, c'est l'homme. Quand l'homme est dans les meilleures conditions, c'est lui qui va développer. C'est lui qui va travailler pour l'environnement. C'est lui qui va contribuer donc, à l'amélioration des conditions de notre peuple. C'est ça la social-démocratie, comme vous l'avez dit. C'est un peu cela, parce que nous sommes aussi membres sétérés. Le président de la République, c'est un membre de l'UDPS. Il vient de l'UDPS. Et vous comprenez que toutes ces idées... Il a été à l'école du Sphinx. Du Sphinx. Toutes ces idées nobles que vous retrouvez chez Lumumba. Toutes ces idées nobles que vous retrouvez chez Étienne Tshisekedi. Toutes ces idées nobles que vous retrouviez chez Mobutu. Ces idées nobles que vous pouvez retrouver dans Laurent Désiré Kabila... Toutes ces idées-là, vous les trouvez comme un condensé dans Félix Antoine Tshisekedi. Vous avez appelé vous-même la synthèse, c'est une synthèse justement dans Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Professeur Mbata, nous sommes en train de terminer cette émission, mais je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette question sur les élections. Bien sûr que la campagne électorale n'a pas encore commencé, je ne vais pas être sanctionné par les CESAC, mais je vous pose quand même cette question parce qu'il y a un doute qui persiste au sein de l'opinion. Il y a certaines personnes qui estiment qu'on ne sent pas qu'il y aura élection le 20 décembre. Est-ce que vous pouvez nous confirmer sur ce plateau que nous aurons ces rendez-vous le 20 décembre et il n'y aura pas de report? Vous, en tant qu'acteur politique majeur. En tant qu'acteur politique, vous avez suivi le président Denis Kadima. C'est la CENI qui organise les élections. Il vous dit que c'est irréversible.
vous avez le matériel en train d'être dispatché dans le pays. Des hors-bord, 14 la fois passée. Ce matin encore, j'ai vu sur votre chaîne des centaines et des centaines de machines à voter en train d'être dispatchées du matériel dont les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre 2023. Nous sommes dans moins de 50 jours pratiquement. Hein? Oui, jour moins 51, je crois. Ces élections auront lieu. Mais il faut dire aussi une chose. Chez nous, voter, ce n'est pas un devoir. Dans d'autres pays, voter, vous devez voter. Ce n'est pas un devoir de voter. Vous êtes libre de ne pas voter, on l'a dit à plusieurs reprises. Moi-même, je viens aujourd'hui secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, mais cadre de l'UDPS. En 2006, nous n'avions pas voté. Si vous n'avez pas voté. Non. D'autres ont voté. D'autres ont voté, nous sommes le pays avancé. Et si nous sommes incapables, nos amis trouvent que... Mais vous ne devez pas vous complaire d'une faible participation quand même des électeurs. Non, mais les fautes, vous avez le nombre de candidats. Même si c'est un tour unique. Le nombre de candidats. La présidentielle. 43 millions d'électeurs. 43 millions d'électeurs. Plus de 3 millions de plus qu'au du temps des Nanga. Et aujourd'hui, en fuite ou à la recherche d'un statut de réfugié politique à l'étranger. Ah bon? Oui. Donc, ce monsieur-là, je vous le conseille, professeur. Bon, il est, oui. Donc, vous voyez, 3 millions de plus, c'est l'engouement de notre peuple. Notre peuple est déterminé. Mais si vous trouvez que vous êtes tellement impopulaire, que vous ne pouvez pas gagner un siège, pourquoi est-ce qu'on doit vous forcer à aller aux élections? Restez calme. Mais ceux qui sont là vont aller aux élections. Et ces élections seront libres, transparentes et crédibles. Et ces élections seront décidées par le peuple congolais. Elles ne seront pas décidées sur France Internationale. Elles ne seront pas décidées sur RFI, sur TV5 Monde. Elles ne seront pas décidées par les organisations internationales, l'étranger, dont dépendent certains candidats. Elles seront décidées par le peuple congolais. Le peuple congolais écrira sa propre histoire. On revient encore là à Lumumba, Lumumba qu'on retrouve dans Tshisekedi, en fait le nouveau Lumumba d'aujourd'hui. Voilà, pour reprendre vos paroles, vos chers, le mot de tout à l'heure, c'est le peuple congolais qui va décider, donc qui va sanctionner. Donc, il y aura bel et bien élection le 20 décembre 2023, donc dans pratiquement 51 jours. Dans 51 jours, et nous, à l'Union sacrée, nous sommes déterminés à les gagner. Notre candidat, Félix Tshisekedi Tshilombo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va gagner cette élection. Bon, évidemment, nous reviendrons pour la campagne. C'est pas encore la campagne, professeur. C'est connu. Nous ne sommes pas pressés. Je attendez le 19 novembre. Nous ne sommes pas pressés d'aller en campagne à l'Union sacrée de la Nation. Donc, vous n'avez pas de raison de m'arrêter. Nous reviendrons quand vous allez ouvrir l'antenne. Vous allez ouvrir l'antenne, non? Voilà. Nous reviendrons, on n'est pas pressé. Chaque candidat viendra avec son projet, son programme, son projet de société. Il viendra, mais vous ne trouverez pas, si le candidat présidentiel, vous n'allez pas trouver un candidat semblable à Tshisekedi qui défend son pays. Merci beaucoup, professeur. Sur le plan de la politique on va vous recevoir des émissions spécialisées merci lors beaucoup. De la campagne. Il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci. Nous étions là pour parler du grand oral du président de la République au sommet des Trois Bassins, organisé, vous le savez, depuis jeudi à Kintélé, à Brazzaville. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris la parole hier samedi, donc le samedi, un discours magistral qui lui a attiré une salve d'applaudissements dans la salle. Il a dit lui-même que c'est un panafricaniste. Il a décrié l'hypocrisie, n'est-ce pas, et surtout l'activisme armé du pouvoir de Kigali dans le parc de Virunga, en RDC. D'un côté, il y a le massacre et la mort de plusieurs personnes, n'est-ce pas, et de l'autre, la destruction de l'écosystème. Professeur Mbata, il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci surtout à vous tous qui nous avez suivis. Excellente suite de programme sur votre télévision. Et à la prochaine.